Salut à tous, c'est Cucuc et je vous retrouve pour la suite de Dark Souls 2, toujours en décembre. Pour tryhard ce jeu, j'ai changé d'armure, je crois, hors vidéo, j'avais pas celle-là, j'ai remis un gros bouclier, j'ai changé d'arme. On est prêt à casser des culs. Je crois qu'on s'est arrêté. On avait fini de nettoyer cette zone, je vois pas d'autres passages où j'aurais pu aller, même s'il reste des items auxquels j'ai pas réussi à accéder. Mais c'est potentiellement à partir de cette zone-là qu'on y accède. Mais c'est pas dit. Il nous reste 4300 âmes. Est-ce qu'on n'en ferait pas quelque chose? Je pourrais acheter des soins en masse. Peut-être acheter des kunai, c'est pratique aussi. Une vingtaine de kunai, une quinzaine. Ça j'ai pas essayé mais ça peut être pratique aussi. Et les bombes incendiaires des fois c'est cool aussi. Ça j'en ai 14, allez. Comme ça on est safe. Et j'ai pas peur de mourir. Niveau équipement. Celui-là il reste utilisé des PV. On est en forme de carcasse, du coup peut-être celui-là mieux. Ouais, d'ailleurs on n'est pas full vie. Il est pas mal ce anneau hein, quand même. Hop. De toute manière on veut voyager. Du coup, allons explorer les sous-sols. Dans l'eau. Ah, par contre. Les ennemis en pop. C'est bizarre ce qu'il y a. Oula, on est lent avec cette arme. Peut-être repasser à l'épée que je maîtrise quand même un peu mieux. Quoique, il faut que j'apprenne à utiliser cette arme, du coup, on va en profiter. Yes. J'aime bien ces grands boucliers parce que quand on les met sur le dos, ça nous protège bien le dos justement. Il n'y avait pas d'ennemis à l'intérieur? Non, par contre, il y en a un en bas, je crois. Il y en a trois en bas même. Ok, je suis un connard. Ouais, ça nous protège bien dans le dos. Hein. Je comprends pas pourquoi il se retourne pas quand je tape. Avant, il le faisait. C'est comme si le lock marchait pas. Très bizarre. Dans mes souvenirs, il se retourne automatiquement vers la cible quand il tape. Mais là, c'est pas le cas. J'ai l'impression qu'une fois que le mouvement est parti, c'est mort, alors que c'était pas du tout le cas avant. Bon après en vrai j'ai pas besoin de les tuer. Parce que nous ce qu'on veut explorer c'est les sous-sols. Ah bah elle est lourde, cool. Alors, est-ce qu'il y a des choses importantes à faire ici? En vrai, je me sens pas à l'aise avec cette arme vu que je la maîtrise pas. Je vais quand même repasser sur celle-là. Et le bouclier aussi. C'est marrant d'avoir une grosse armure, mais... Mais pas tant que ça. Hop. Hop. On ne doit plus avoir besoin de cet anneau d'ailleurs.
J'espère juste qu'on peut pas tomber là. Oh merde. Mais... C'est un boss ça? Attends, ils ont mis un boss en ennemi normal? Ah, il faut arrêter ça, c'est pas bien. C'est pas la première fois qu'ils nous font le coup en plus. Par contre, si tu pouvais venir là, ça m'arrange. What the fuck? C'est là que je me dis que je vais dans des zones qui sont pas du tout pour mon niveau. Contre un mur. Okay, on va les soigner. Elle est pas très intelligente, on en profite. Ah bah petit souci, mon ordi veut pas me laisser regarder le stream, j'ai dû changer de support. Du coup tu disais quelque chose d'intéressant, je vais devoir réécouter ça en replay. Moi je disais pas des choses hyper intéressantes. Après je crois que j'ai vite arrêté et parlé d'autres choses. Du coup t'as pas loupé grand chose je pense. Ça picote ça par contre. Ok, il est vraiment chiant ce mob. Hein. Je devrais utiliser ça en vrai, mais... Par contre, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres plus loin, parce que sinon ça va me faire chier. Ok, 3000 âmes. Ouais, bah le boss donnait beaucoup plus lui pour le coup. Rempart fleuri, un autre bouclier. Oh fleuri, ça serait pas celui qui régène l'endurance? Par hasard. Si, c'est totalement ça. Par contre, il est à... Ah mais j'avais pas le bon bouclier aussi, c'est pour ça que je parais moins bien. Ah oui, il est qu'à 75. Mais du coup celui-là, ouais, il régène l'endurance. C'est pas beaucoup plus vite pour le coup, hein. À moins que ça soit que pour le sprint. Ouais, je suis pas convaincu. Du coup, on remet le bon bouclier. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas en surcharge. J'ai enlevé de l'armure parce que je trouve pas ça si utile. Bon, j'espère juste qu'il n'y en a pas d'autres un peu partout. Sinon, ça va être chiant. J'entends un des ennemis qui explose. Je sais pas d'où ils viennent par contre. Par là-bas.
Ok, là il y a un mur en face. Ah, vu. Pas très fan de cette zone, hein. Et on va nettoyer le haut et on s'occupera du bas après, parce que je vois qu'il y a encore des trucs. Pour ça, il va me falloir un arc. C'est bien, c'est qu'ils sont facilement reconnaissables au bruit qu'ils font, et ça c'est cool. Et du coup là au bruit je sais qu'il en reste un par exemple. Et à mon avis il est juste à gauche. Quand je rentre. Ou à droite. Pas du tout, il est dans la cellule d'à côté. T'en vois vraiment rien. C'est encore plus sombre pour vous. Enfin, du moins sur mon retour. Ok, on entend le bruit de la mer. Peut-être en dessous aussi. C'est en dessous? Au-dessus peut-être? Non, je peux pas aller au-dessus. Ça doit être en dessous du coup. Ok, donc si on n'avait pas la clé de la forteresse, du coup, affronter le boss d'avant, on pouvait pas aller là. C'est une bonne nouvelle. Là-bas, j'ai l'impression de voir un PNJ. Du coup, ça pourrait être intéressant d'aller de l'autre côté quand même. Ouais, ça doit être en dessous parce qu'il y a aussi des cellules en dessous. Tout le monde fait comme moi, hein, j'ai l'impression. On cherche des trucs parce qu'on entend le bruit, mais on sait pas où c'est. À mon avis, c'est dans celle-là. Vu qu'il est mort là. Ah, mais c'est un ennemi! Ah mais c'est un chevalier blanc. Tiens, il nous attaque pas, c'est marrant. Peut-être que ces ennemis-là nous attaquent qu'une fois qu'on a battu le boss de la zone. Ça serait marrant qu'ils en aient mis un peu partout du coup. Ok, donc ça c'est un chevalier blanc. J'ai quand même envie d'aller voir en bas.
Parce que je déteste ce petit bruit. Je déteste entendre des ennemis en fait. Ok, là j'en vois bien un. Et là j'en vois un autre. Ça passe, j'espère. J'allais dire, j'espère juste qu'il n'y en a pas un autre au sol. Et à ce moment-là, je me suis fait baiser. J'ai pas mon anneau qui me rend de la vie. Et une explosion, ça m'enlève vraiment beaucoup. Mais j'entends plus le bruit de ces monstres-là. Ah, attaché au mur mais du coup mort. Là il y en a un, là j'en entends pas. On tend l'oreille. Oh, une pierre du saut de Pharos, cool. La première qu'on drop du coup. Où est-ce qu'il y avait une autre pierre de Pharos? Ah oui, là où j'ai affronté le chevalier noir, c'est à côté d'un feu. On ira peut-être. J'ai envie de les utiliser, ces pierres. Ça, à mon avis, j'ouvre la grille. En espérant que ça réveille pas le chevalier blanc en haut. Je pourrais le taper et du coup le réveiller, mais je me dis que il n'y en a pas vraiment besoin. Oh, c'est joli! Pas d'ennemis visuellement. En tout cas, c'est très joli. J'aime bien la DA de ce jeu. Limite, je préfère ça au premier. Ok, c'est le même endroit, ça servait juste à passer par en haut ou par en bas. Ok, c'est joli, c'est joli. J'aime bien. Bon, c'est sûrement un boss devant. Bon, vous savez tout ce que je vais faire parce que depuis le début, je le fais tout le temps. En espérant que ça passe. L'intérêt de tout nettoyer avant. C'est tellement plus joli avec la lumière en vrai.
tellement plus joli. Hop, on peut l'éteindre. Bosse droit devant, mais essayez encercler. Ok. Essayez feu. Comment il meurt là, lui? Une mauvaise roulade? Non, il s'est pris... Ok. Mais elle est trop bien, cette zone. Les deux dernières zones qu'on a fait, là, je les kiffe. C'est un truc de malade. Vous vous rendez pas compte. Ok, donc il fallait bien la clé. Putain, ça doit brûler, je pense. Ah, on peut peut-être le... Oh! On peut peut-être l'enflammer. Tu sais ce que je pense? Torche nécessaire, ouais, c'est ça, ok. Oh, si ça éclaire toute la zone, ça va être trop joli. La gestion du feu dans le jeu, je la trouve trop bien. Au début, je trouvais ça un peu chiant, parce que c'est limité. Mais en même temps, je trouve ça très bien. C'est-à-dire, si tu claques toute ta torche parce que tu veux voir quelque chose, bah t'es baisé. Mais si tu sais l'utiliser de manière propre, bah du coup, tu peux allumer des trucs. Et du coup, c'est trop bien. En espérant que ça me mette pas un malus. De faire ça. Ok. En vrai, pour le moment, à part les boss qui sont un peu faibles, je trouve que l'histoire est limite mieux racontée, même s'il n'y en a pas des masses. Et je trouve le gameplay limite mieux. J'espère ne pas me cramer. Pas l'impression que ça change quelque chose. Peut-être quand les deux sont allumés. Peut-être de loin aussi que ça change quelque chose. Ou peut-être dehors que ça change quelque chose. Si ça se trouve, ça allume un fourneau géant et... Ça se trouve, c'est de la merde et je rends le boss plus dur. Attendez, je veux voir de loin si ça a changé quelque chose. Non. Ça sert à quoi, du coup? Bon, a priori, c'est qu'un boss. C'est-à-dire qu'après, il faudra juste courir jusqu'ici, si jamais on meurt. Ce qui me semble quand même vachement long juste pour un boss. Du coup, si c'est un boss... On met la grosse épée. Ami droit devant. Bah, c'est un boss ou c'est un ami? À mon avis, c'est un boss. C'est un boss. Ouf. J'aime bien ton épée. T'es un ami. Pas de chance, j'ai allumé les torches. Je verrai quand même, je pense. Oui, tout à fait.
comprends ce qu'ils ont voulu faire avec ces boss. Hein. Ils ont voulu les rendre plus humains. Mais pour le coup, ça les rend plus faibles aussi. Et merde! Je savais qu'il allait me sauter dessus parce qu'il est rapide. Mais du coup, les torches étaient une bonne idée. Mais il faut en faire du chemin pour ramener le feu jusqu'ici. Et dans cette zone, ça avait un intérêt du coup. Ok, ok. Intéressant du coup. Non, je vais juste rusher en fait. Oui, je vais juste rusher le boss. Ok, boss pas bien dur, hein, c'est juste moi qui gérais mon heal comme de la merde. Pas renvoyer le truc, ça c'est une grosse erreur de ma part. Du coup, je suis obligé de nettoyer la zone. Toujours renvoyer les ascenseurs hein, dans un Dark Souls, c'est obligatoire. Surtout si vous savez qu'il y a un boss derrière. Toujours renvoyer les ascenseurs. On ne le dira jamais assez. Est-ce que j'irai pas? J'aurais pas besoin de ça. J'ai envie de tester ça, mais c'est un peu lent. Mais j'ai surtout envie de tester mon arme sur ce boss. Parce qu'il est pas bien dur, je pense que ça passe. Ce qui va me faire chier là, c'est qu'il faut traverser toute l'eau pour retourner au boss. Et j'espère que sur le chemin, il n'y a plus le mini-boss du coup. On va voir ça tout de suite. Il est encore là. Sérieusement. Sérieusement ? Mais bloqué par un mob au sol, du coup faut passer par la gauche, ok. J'ai compris. Je me fais baiser comme un con. C'est pas comme si c'était déjà assez chiant d'y aller. Bon, cette fois j'ai ramené l'ascenseur, du coup on est bon. Non, mais c'est en apprenant dans ce jeu qu'on avance. Enfin, en mourant surtout. Mais il faut apprendre de ses morts. Sinon. Ok. Du coup, le chemin est pas mauvais, je pense.
Oh le con! Je pensais que... le con! Putain, je me déteste! J'aurais pu le first try ce boss, si j'avais pas été un connard. Je suis en train de réduire ma vie petit à petit en plus. Bon, légèrement parce que j'ai l'anneau, mais elle réduit quand même. Joli saut. Je me bats avec Mako, je relance ton stream et je te vois mourir comme un caca. Ah ouais, c'est ma vie, hein, mourir comme un caca. J'ai pris les dégâts, prends ça. Mais bonjour. Un bon résumé de ma vie, quoi. Est-ce qu'ils me suivent jusque-là? C'est ça la question. Ça a pas l'air. Ah, parce qu'il est mort dans l'eau. Eh ben, chais. Est-ce qu'on se rend humain? Je pense pas que ça change quelque chose sur le nombre d'âmes qu'on récupère. J'ai pas envie de me faire aider. Je vais quand même me remettre full d'histoire 2. On va essayer avec cette arme parce que j'ai envie. Il fait un peu les mêmes coups que le boss que j'ai tryhard la dernière fois. Si ce n'est qu'il a pas le gros bouclier. Vite l'endurance. Au cac. Ok. Cette arme c'est vraiment pas ouf, elle est beaucoup trop lente. Du coup, on va repasser sur l'épée. Elle était bien meilleure dans le premier, là, je sais pas, j'ai du mal. Dans le premier, je l'aimais bien. Mais là, j'ai pas assez joué avec, je pense. Et j'ai du mal, du coup. On va repartir sur celle-là. Je pourrais y aller à l'Ultra Espadon aussi, mais... Vu qu'ils ont enlevé les attaques sautées aussi, je peux plus m'amuser à jouer qu'avec ça. Ou alors c'est que j'ai pas les attaques, enfin pas les commandes pour. C'était con ça. J'ai encore pris des dégâts, j'ai pas le bon bouclier encore ou quoi? Normalement je pars 100% des dégâts. Ou j'ai encore pris une flèche sans m'en rendre compte. C'est possible aussi. Bon ça va, au final c'est assez rapide d'y retourner. Euh,
Allez. Ok, c'est le troisième coup qu'il faut esquiver. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, je te regarde. J'aime ton flow. C'est quoi ce grand bruit horrible? 54 000 âmes, hein. Ça fait beaucoup. Y a rien d'autre? Bon, pour le coup, c'était vraiment de la merde. J'ai réussi. Super. On descend encore? Je vais peut-être me soigner, non? Comme un connard. Ouais, ouais. Et la mimique. Branche ancienne à mouvante, champignon d'Elisabeth. Ah, du coup, j'ai chopé une des grandes, grandes âmes, je pense. Une des quatre, je pense. Champignon, champignon. Est-ce que tu tues progressivement un grand nombre de PV? Ah oui, c'est l'évolution des pierres, ok. Je me méfie, on n'est jamais trop prudent ici. Comme dans un rêve, donc cloué sur le soleil. Il y a toujours une autre épée à côté. Vue imprenable. Beau travail, bien joué. Feu de l'éminence. Ok. Un prime feu a été ravivé. Ok, donc c'était un des quatre boss que je devais tuer. Et ben ouais, pourquoi pas. Espoir droit devant. Je le fais quand même alors que je sais qu'il n'y en a pas, mais... Menteur droit devant. Ça me fait marrer de me faire baiser. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça me ramène directement. Salut, j'ai tué un des quatre. T'es contente? You have acquired the soul of an old one. Tout à fait. That is more than most undead can say. C'est tout? Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. Ouais. It happens to them all, sooner or later. That
blue knight at the base of the tower. Although he does offer, perhaps he is a foreshadowing of your own. Ouais, mais ça, je savais déjà. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom. Provided you find her on a good day. Écoutez qui? The sign you bear, and without souls, stay strong, even when you have. Oui, d'accord. When the undead dies. Oui, d'accord. If you find an Estus shield. Oui, d'accord. Over the hill and past the forest, where a man peered, but whatever. Ok. Du coup, il a des choses à nous dire de plus, celui-là. Maintenant que j'ai tué un des quatre. I'll always be here, watching over you. Long ago. Ouais, ça tu l'as déjà dit, les gardiennes du feu. Ça veut dire que les gardiens n'existent plus et que les feux survivent quand même. Ça, c'est marrant. Faut quand même que je fasse un truc. Ah, c'est marrant, ils considèrent pas le feu que j'ai trouvé comme un feu où on peut se TP. Ça me gêne pas, c'est là que je voulais aller. Enfin, c'est pas là où je voulais aller. Je me comprends. S'il est toujours là, bien sûr. Est-ce qu'il y a une arme intéressante avec l'arme de boss que j'ai ou est-ce qu'il faut les garder pour plus tard? Négocier. Pas de nouvelles armes ni armures. Et pas de nouvelles magies. Du coup, ça veut dire qu'on peut pas échanger ces âmes. Oh, tu vas te calmer, toi? Par contre, ça veut toujours dire qu'il y a des loot ici que je sais pas comment les atteindre. Si. Supprimer l'effet d'effigie. Mais j'ai pas d'effigie là actuellement. Hein? Mais j'ai pas d'effigie activée. Comment je peux supprimer l'effet? Voyager, je vais quand même aller là, tant pis, je vais utiliser ma pierre de Pharaon, mais je suis trop curieux. En espérant que le mob soit pas réapparu. Je pense pas que ça réapparaisse ces trucs là, parce que c'est quand même chiant à tuer. Mais en même temps, si ça réapparaît, c'est un bon entraînement. Ouais, mais par contre, il y a mes âmes. Faut peut-être utiliser mes âmes d'abord. Ouais, utiliser mes âmes d'abord. Soyons pas trop cons. Utilisons les âmes. Juste vérifier qu'ils revendent pas des trucs. Non. Renforcer. J'ai deux fragments de titanite, mais j'en voudrais trois pour améliorer ça, je pense. Ta gueule, toi. Sinon, j'irai jamais chercher ta fille. Même si je sais pas où elle est. Hop. Oui, d'accord. Ah, il nous vend des grandes, mais en quantité limitée.
tout ce qui était intéressant, je l'ai déjà acheté, ça c'est ok. Thanks. Je t'en prie. Ça, je pense toujours pas que j'ai la clé pour l'ouvrir. Toi, tu dis toujours parmi au boulot? Oh, hello again. Ok. Donc, toujours rien de neuf à t'acheter. Well, I do hope I see you again. Ok, toujours pas la bonne clé. Ah, quoique, si on veut aller dans le trou, faudrait peut-être acheter l'anneau du chat. Peut-être un bon achat, l'anneau du chat. What's happened to you? Mais, je te permets pas. You have that glint in your eyes. C'est vrai. And the scent of one with quite the catalogue of sins. Oh, don't feel bad. I'm sure your mother's still proud. Mais c'est une gentille chatte. Très mignonne. Serment. J'avais pas l'anneau, du coup, je sais pas si ça a changé quelque chose. Pardon? Did you see that oddly formed rock behind? Long ago, they. If you. Oui, ça je connais, donc t'as rien de nouveau à dire. T'as rien de nouveau à acheter. Mais l'anneau du chat, je pense que je vais le prendre. Même si je peux sûrement le dropper ailleurs. C'est pas grave, hein. C'est que des âmes. Celui-là, je préfère l'anneau qui régène au fur et à mesure du temps. Facilite la détection pour les ennemis, je vois même pas l'intérêt. Et celui-là m'intrigue, du coup je vais le prendre aussi. Ouais, ça me va. Écoute, hein, tout le monde n'a pas une litière pour faire ses besoins. Elle a un trou, on la laisse tranquille. Hein. Madame, j'ai besoin de vos services. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Passe à 40 en force. Je peux augmenter la dex vu que mon âme est. Vu que mon arme est double aussi. L'endurance ça pourrait être cool, au bout d'un moment je vais en manquer. Genre passer à 10 ça pourrait être cool. La vigueur pour le moment je trouve que c'est ok. Même si c'est pratique en vrai. Non, c'est plus marrant de jouer sans endurance. Mais la vigueur, je trouve ça quand même cool. Ne serait-ce que pour porter des armes lourdes. Ou des armures. Du coup. Genre là, est-ce que je peux porter ça? Toujours pas. On peut porter ça, on n'est pas... On n'est pas à ça près. Et en casque, on n'a rien trouvé de mieux. Ouais, c'est pas si mal. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, aller voir si je pouvais utiliser ma pierre de Pharos. Allons voir ça. Après, je l'ai déjà battu une fois, je peux le rebattre. Hein. Ok, c'est bon, il a pas l'air de repop. J'espère que c'était pas un piège. Ok, ça a fait un truc ici. D'ailleurs, c'est pas dit que ça ouvre qu'un seul passage, hein. Ça se trouve, ça en ouvre d'autres ailleurs.
L'effroi de la lune. Oui, bonjour. Pourquoi? Ok, c'est même pas une carcasse, c'est un vrai. Bonjour. Il a l'air complètement fou. Quelle cloche, mais de quoi tu parles? Ah, non. Oh, quoique, j'en sais rien de ce à quoi ça sert l'échirement, donc oui. Allez hop, je deviens un garde-cloche. Saut de garde-cloche. C'est encore un truc de PVP. Il est marrant comme petit gars. Ah. Où t'es, petit esprit? Viens, viens me voir. On va s'amuser ensemble. Mais pars pas, espèce de lâche! C'est ça qui t'amuse? Faire du 2v1? Waouh! Allez, tue-moi, ça te fait plaisir, je sens que t'en avais envie. Fais du PVP, petit lâche. Le 2v1, ça t'amuse. J'ai compris que t'avais aucun honneur. C'est tout? Mon jeu a bugué ou... Waouh, est-ce que je dois l'applaudir? Bravo, tu es un lâche et un couard. Je pense que tu as un avenir tout tracé devant toi. Comme étant un gros fils de pute. Si
ça peut le faire bander la nuit. Oh, j'ai tué quelqu'un en 2v1. Maintenant, je peux parler à mon PNJ? Ok, il a rien de plus à dire. L'anneau. Prêtez serment d'allégeance aux gardes cloches et portez cet anneau pour attirer dans votre monde les intrus qui s'infiltrent sur leur territoire. Les deux cloches symbolisent le lien entre deux amoureux qui n'ont jamais pu vivre leur union. Les gardes cloches veillent sur elles au nom de l'amour de ces deux êtres, qui aura également été leur malédiction. Donc c'est en avançant que je vais voir si ce mec était vraiment un fils de pute et a invoqué quelque chose pour combattre en 2v1, ou si c'était un mob de la zone. Ok, c'était un mob de la zone. Donc le mec avait tellement pas confiance en lui. Qu'il est allé attirer ce mob pour faire du 2v1. Donc ça, c'est de l'honneur pour lui. Voilà. Postérieur, oui, d'accord. Pour l'Angoura. À force de le lire, ça me fait marrer. Oh oh. C'est le royaume des nains. Putain, mais t'imagines, tu viens ici en pleine exploration, t'as pas fait attention. T'as 50 000 âmes, puis là t'as un mec qui vient te faire chier en PVP. C'est un lâche, du coup il invoque un truc. Est-ce qu'on serait pas au niveau du toit là? Parce que je sais qu'il y a un endroit où il y a un boss par ici. Enfin, je pense que c'est dans cette zone. Et j'ai peur que ça soit par là. Ah mais il y en a encore un. Ok. On va faire le tour des fois que. Voilà, comme je disais, des fois que. Chacun son tour. Ok, donc il y a un levier pour faire sonner la cloche, je pense, comme dans Dark Souls 1. Herbe crépusculaire, oui d'accord. Je me souviens même plus ce que j'ai ramassé sur lui. Souvent pour ça que je dis les loots à voix haute d'ailleurs, c'est pour m'en souvenir. Un minimum. Qu'est-ce que ça fait du coup de sonner la cloche? Pas de cinématique.
Qu'est-ce que... J'ai dû faire baisser un pont quelque part, et je pense. Ah, il est là, le boss. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y en a 5, ouais. Oui, vous rêvez pas. Donc ça, c'est un combat de boss. Hein. Ah bah oui, j'ai fait lever la grille en dessous, d'accord, je comprends. La grille où je disais, tiens, c'est bizarre, c'est fermé. On va le tester, j'ai que 4000 à perdre, mais à mon avis, je meurs. Hop. Hop, il faut que j'enlève un truc, ça c'est parfait. Ça, on va pas jouer avec. Hop. On a une bonne armure, le problème c'est qu'elle va être beaucoup. Et à mon avis, je meurs 100%. Parce que je crois qu'elles sont deux dès le début, là. Ou trois, je sais plus. Ben, ça se tente, hein, mais... Donc là, il y en avait déjà 3. Il y en avait déjà 3. Je crois qu'il y en a 5 à tuer. Elles ont l'air moins chiantes que les premières. Je pense pas qu'on puisse leur couper la queue. Ça se tente, je pense. Du coup, ça c'est un boss totalement annexe. Absolument pas obligé de le faire. Ok, les nains repop. Ok. Oui, je voudrais y aller avec tous mes soins possibles. Donc on va reset. Hein. Après, on pourrait y aller avec quelqu'un. Pour affronter le boss, quoi. En vrai, pour les boss secondaires, j'ai pas vraiment de race. Si je peux les faire à plusieurs, je pense que je les ferai à plusieurs. Mais je vais quand même essayer seul, hein. Parce qu'on a quand même une race de base.
Oh non, c'est dommage, j'en avais tué deux. Ah, dommage. Elles sont vraiment moins chiantes que les 5. Hein. Enfin, que les deux du premier. C'est juste, je manque d'endurance, j'aurais dû augmenter l'endurance. Et peut-être qu'avec une effigie, ça passe mieux aussi. On va tenter l'effigie. On va tenter l'effigie et on va mettre un autre anneau. Régène de PV, on s'en fiche un peu. Charge maximale, on s'en fiche aussi. Réduit les dégâts causés par les chutes, on s'en fiche. Plus de PV. 40 PV en plus. J'espère juste ne pas faire envahir parce que je suis en humain. On sera bien. C'est chiant de devoir tout repéter à chaque fois. Enfin, tout ouvrir. Pas de coquille. Ok. Ouais, donc il y en a bien 5 vu les PV que j'ai enlevés. Faut pas si dur hein. J'ai le bon bouclier là, j'ai l'impression de prendre masse dégâts. Thank you.
Ok, on reste à distance. On se fait pas coincer par le feu, ça pourrait être désastreux. Au moment où je voulais attaquer. Ça va en vrai. Ok, à nous deux. Je claque tout, j'en ai rien à foutre. Allez, Nick, c'était facile. Putain, elle donne pas beaucoup d'âme en plus. Âme du gardien du beffroi, bah voilà, c'était... J'ai réussi. Menteur droit devant. Oui, bien sûr. Il est pas bien dur en vrai. Bon, si vous utilisez un bouclier, parce que je pense sans bouclier ou en tant que mage aussi, ça doit être un peu compliqué quoi. Travaille pas toi. Hein. Finir l'exploration quand même. Je pourrais m'arrêter là et vous faire plaisir, mais... Non, je peux pas remonter si je descends. Et la mimique. Anneau rituel du sud. Ajoute des emplacements de sorts. Ah, si je veux tester la pyromancie, par exemple, ça peut être cool. Rien par là. Attends, c'est un feu? Oui, c'est un feu. Oubliez ça, oui, ça m'a l'air compliqué. Là, il y a une échelle qui permet de descendre à un endroit que je ne connais pas, je suppose. Avec des chiens. Beaucoup de chiens. 5, 6. 6 chiens. Ok. Et là, c'est la mort. Eh ben, cool. Cool, cool, cool. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Esprit sombre, droit devant. Oh non, pas un esprit sombre. Ah oui, parce qu'il considère ça comme une nouvelle zone, encore. Je vais pas chercher à comprendre comment ils raisonnent dans leur tête. Du coup, 30 000 âmes le boss, à peu près. Celui d'avant m'avait donné 50 000, je crois. Après, c'est un boss secondaire, du coup. D'ailleurs, j'ai eu son âme. Oui, du coup, il faudra aller voir l'arme qu'on peut acheter avec, aussi. On fera ça dans la prochaine vidéo, tout comme le level up, parce que là, on est déjà 1h20 de vidéo. Sur ce, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour la suite de Dark Souls 2. Et pour ce qui est du live, on continue juste après. A plus !